applaudir pour l'équipe de Papa Kira. Ayuwa munaitwa mabingwa wa nini? Wa Malinga. Mabingwa wa mabingwa wa nini? Wa Malinga. Mabingwa wa Malinga, tunaomba tuwapigie mikono. Karibu sana Eka. Uko mulamba naona kure na kuya, kama unaweza tupatia kale kikata tu permettre kidogo. Unaweza omba ukaleti. Bonsoir Josaphat, il est qui comme ya bun ya bwina iko wapi? Wani nilionaka unaibeba ile siku. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Papa Tira, les habitués de cette activité. Merci d'applaudir pour eux. On y a les couilles à Yamaratatu. Je vous prie, Mikono. Et les couilles à Marapili, Batia Mukono Yulu. Je vais vous rappeler, on a commencé cette activité il y a 3 semaines. La première semaine, nous sommes venus ici autour de Papa Tira pour apprendre l'histoire de Jean Scram. Nana na yua Jean Scram. Leo tutaongelea historia ya mjini yetu ya Bukavu. Au moins lui a retenu parce que ba mingi banasomaka affiche kisha banaanza tena kupoze ma question. Bitakuwa wapi bitakuwa ai. Et donc merci beaucoup Papa Tira, aujourd'hui on va parler de l'histoire. Non, on va parler de la ville de Bukavu, ses origines. Merci d'applaudir très fort pour Papa Tira. Nous sommes des traditionnels. Le 4 caillou que vous voyez là, c'est pour demander au bon Dieu de faire en sorte que ses anges ne nous pissent pas dessus. J'ai un disciple ici, Destin. Tu connais ce genre de prière? Lorsque la pluie menace de tomber, il suffit de prendre 2 cailloux comme ça, de cette couleur-là, pour commencer à les claquer l'un contre l'autre et à invoquer le bon Dieu et à lui demander d'envoyer la pluie à l'Afrique du Sud, à Cap Town. Et vous allez voir, la pluie se dirigera vers le sud là et vous allez vous livrer à votre activité. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour nous avoir permis de tenir cette 3e séance de Autour du Feu. Mais avant de parler, un vieux demande toujours de se racler la gorge. Merci. Si vous voulez connaître l'histoire de la ville de Bukavu, voici, il existe dans la bibliothèque de l'ISP un mémoire. C'est le mémoire le plus usé. Dès qu'on vous le remet, vous ne saurez même pas si vous avez affaire à un mémoire ou à un chiffon. Le mémoire est très lu. Pardon pour le microphone. Mais il tient quand même. Non, ça va. Ma finda ou ma finda. Nous disons que le mémoire, il est très lu. Il date de 1973.
Mais il ne dit pas tout, parce que après ce mémoire, il y a eu d'autres informateurs et d'autres informations, au point qu'aujourd'hui, nous allons vous parler de Bukavu, de ses origines. Qui est-ce qui connaît la date de fondation de la ville de Bukavu? Ah, tiens, mon sapili kolo. Tukatayango. Qui est-ce qui connaît la date? Personne, hein? C'est en 1900, tout juste, 1900, le 3 juillet 1900. Ça va? Qui ont fondé la ville? Trois Européens, un certain Olsen. Si vous avez déjà circulé à Kinshasa, l'ancienne ville de Kinshasa, il y avait là une avenue Olsen. Olsen, un certain Mills et un certain, je crois, Eloi. Trois jeunes gens de blanc, ils s'appellent Olsen, qui encore? Eloi et Mills. Le 3 juillet 1900. Vous savez, il venait d'où? Il venait d'Ouvira. Comment sont-ils arrivés ici? Eh bien, c'est parce qu'en 1896, des Batetela s'étaient révoltés à Kananga, le Luabourg. Et alors, après qu'ils aient égorgé leurs officiers blancs, ils ont décidé de fuir. Et on les a pourchassés, on les a rejetés même dans l'actuel Ouganda. D'autres se sont enfuis, ils quittent Kananga Luabourg, d'autres se sont enfuis jusqu'à arriver à Beni, à Ituri et même à Fizi. C'est en pourchassant ces gens-là que le commandant de la force publique, nous sommes à cette époque dans un état qu'on appelle l'état indépendant du Congo. Et l'armée de cet état s'appelle la force publique. Alors, après qu'on ait pourchassé ces messieurs, ces révoltés, l'histoire des Belges les appelle les révoltés, mais nous, nous les appelons des patriotes, des nationalistes. Eh bien, ces gens-là occupent Ouvira. Et après avoir occupé Ouvira, ils reçoivent l'ordre de remonter vers le nord et de réoccuper la plaine de la Ruzizi et le lac Kivu. Entre-temps, de l'autre côté de la rivière se trouvent déjà les Allemands, au point que quand ils arrivent ici, ils ont quelques problèmes avec les Allemands. Les Allemands sont commandés là, sur la rive gauche, par un officier qui s'appelle Bethe. Bethe, B-E-T-H-E. Et ici, par un officier qui s'appelle Heck. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour couper plus vite, ces gens-là s'installent à Nyalukemba. Question. Qu'est-ce que signifie Nyalukemba? L'étymologie. Nyalukemba, qu'est-ce que ça signifie? À l'armée, on pose la question. N'en est-elle capable d'avoir? Personne, hein? Voici l'explication de Nyalukem. Avant l'arrivée de la colonisation, il y avait des échanges entre le royaume du Rwanda et le royaume du Bushi. Les Rwandais faisaient traverser leurs vaches, et quand ces vaches arrivaient du côté de Murumba,
où se trouvait le fils de Temoura. Cet homme-là, il tâtait les vaches, et les vaches les plus grasses, il demandait à ses sujets de les garder pour qu'ils puissent les dévorer. En magie, ça s'appelle Kukemba. Vous voyez, si vous avez un morceau de viande, aujourd'hui vous n'avez plus beaucoup de morceaux de viande, quartier de vache que vous pouvez griller ici, et puis vous commencez comme ça à les dévorer. C'est ça ce qu'on appelle Kukemba Abanshi. Ne pas confondre avec le verbe Kukemba du Lingala qui signifie bien devenir gras, n'est-ce pas, mûrir, être en bonne santé. Alors, Nyolukemba, il habitait l'endroit là où nous avons planté récemment le Moutoudou, Kimouti. Et les vaches, quand elles traversaient, il y a trois catégories de vaches. Qu'est-ce qu'il les connaît? Il y a des vaches sans cornes. Comment on les appelle en magie? Ngungu. Merci. Le Ngungu était vendu sur la colline où se trouve érigé le collège Saint-Paul. Cette colline-là s'appelle Ngungu. Les vaches avec des cornes normales, elles étaient vendues au Bitmwanzi. C'est là, c'est l'endroit qu'on appelait Boukaf. Et les vaches avec des cornes brûlantes, qui portent leurs cornes comme des favoris de moustaches, on les appelle en magie Ntendere. D'où une localité qui s'appelle aujourd'hui Ndendere. Donc les trois catégories de vaches, les unes sont vendues à Ndendere, les vaches normales à Bukavu, Bitmwanzi, et les autres là-bas. Mais alors quand les colonisateurs arrivent, ils sont armés et Ieneyo, ce territoire appartient à un Mwami de Maji qui s'appelle Rutaganda. Rutaganda. Et Rutaganda ne veut pas perdre sa souveraineté. Voici un incident. Ces gens qui viennent avec une armée n'ont pas de quoi les nourrir. Ils demandent à Rutaganda de leur donner à manger, ration. Rutaganda envoie 32 vaches en Ndendere. Et lorsque le blanc voit 32 vaches, il a beaucoup de bouches à nourrir, il dit aux gens que c'est très peu. Ce qui est un crime de lèse-majesté. Quand un mami t'offre quelque chose, vous n'avez pas à dire que c'est peu ou c'est suffisant. Alors ces gens-là sont rentrés à Chirunga. Ils ont dit à leur mami, le blanc a sous-estimé la quantité. Et alors, le message était le suivant. Allez demander à ce blanc-là de venir lui-même chercher plus de vaches ici. Et c'est le blanc que les Bahaya, qu'on appelle Biniga, les assassins, vont tuer. C'est le lieutenant Arthur Tondeur. Cela s'est passé le 16 juin 1902. Hadi Sindio. Hadi Sindio. Ah, lakini watu ni wakorofu sana. Wamesema watanipa pombe. Sasa wananiletea maji mtupu. Mie mtu nilishamaliza university, wananirudisha ku classroom ku institut Nyanja. Simu nipatie na mimi pombe moja ya mzuri ya butamu yenye kuwa balimu. Sawa, tutasukula meno na hiyo. Musiniombe.
Kiza. Y a-t-il une question à poser? Non? Pas encore. Bukavu a été créé quand? Quelle année? 1900. Quand est-ce que Bukavu aurait dû fêter le centenaire de sa création? En 2000. Pourquoi n'avons-nous pas fêté le centenaire? Comment? Quelle était la situation de notre ville en 2000? L'année 2000 est l'année la plus terrible pour cette ville. C'est l'année où les occupants ont tué le plus de monde. C'est l'année où est mort Catalico. N'est-ce pas? Quel jour? La mort de Catalico. Qui sait? Qui sait? Le 4 octobre 2000. C'était 4 octobre 2000. C'était un mercredi. Merci. C'est étonnant que ces jeunes ne suivent pas l'histoire. Bon. Alors, vous comprenez que le Mwami qui régnait sur ce territoire, il s'appelle Kabare Rutaganda Kadundu Tashugulwa. Kabare signifie chef. Rutaganda signifie celui qui ne se ramollit pas. Rutaganda. Et puis, surnom de guerre, Kadundu. Vous connaissez les Mudundu? Kadundu Tashugulwa. Les Mudundu qu'on ne peut pas déraciner. Il a résisté pendant 19 ans. Et il est mort en 1918-19. Vous savez de quoi? De la grippe espagnole. L'équivalent de ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Donc, en 1918, il y avait une pandémie semblable à celle-ci qui a envahi même le Congo et qui est venue tuer des gens dans les bougies. On appelle cette période-là Okulwe-Chihus. Une pandémie chez les Bashi s'appelle Chihusi, ouragan. Après que ce mamie-là soit mort, son fils était âgé de 6 ans. Il s'appelait Rugemanizi. Le pauvre mamie Rutaganda se cachait par-ci, par-là. Il est allé se marier à Nyabibuye, à Lourala. Et son fils, Rugemanizi, il est né, où ça? Il est né de Kajuru Mwamuhaya. Mais vous savez où? À Mazigiro. Est-ce que vous connaissez Mazigiro? Oui. Nyangezi? Non, au-delà de Nyantende. C'est un coin plus ou moins inaccessible chez Mukubagai. C'est là que... Oui, mais c'est le village natal de Mukubagai. Et c'est là qu'est né le mwami qu'on appelle Alexandre Rugemanizi Kabare 00. Son surnom, c'est Kaliumuluri. Kaliumuluri. Le petit oiseau est caché dans des plantes épineuses, le louré. Celui-là aussi va résister contre l'installation de la ville jusqu'à 1936. C'est pour vous dire que la ville de Bukavu est née contre la volonté des Bashi. Et alors, quand les colonisateurs ont commencé à s'installer ici, vous savez par quoi on colonise un milieu?
Vous savez par quoi on colonise un milieu? On commence par les arbres. Les arbres. Vous voyez qu'ici, nous sommes au village et nous sommes dans, entourés de la flore de chez nous. Ça. Mais la ville de Bukavu n'a plus la flore originale. Pour coloniser Bukavu, on a introduit des arbres coloniaux, notamment l'eucalyptus. Dans ce livre, on vous donnera la date où on a planté les premiers eucalyptus. Pour coloniser un milieu aussi, on change ce qu'on appelle l'habitat. Quel type de maison habitaient les Bashi avant la colonisation? Les huttes traditionnelles, rondes. Et quand les Blancs ont commencé à construire des maisons rectangulaires, les Bashi l'ont considéré comme un idiot. Et les coins qu'il habitait, en construisant des maisons rectangulaires, on a appelé ça Ibanda. La commune d'Ibanda. La commune où on construit des maisons rectangulaires. Des maisons bizarres, n'est-ce pas? Rectangulaires. Ibanda. Et ces amis-là, quand ils ont introduit les Ibanda, eh bien, vous savez ce qu'ils ont créé aussi, hein? Les lieux. Il y a un lieu ici qu'on appelle Nyofu. Que signifie Nyofu à Maji? Hein? Non, Nyofu n'existe pas à Maji. Nyofu est la déformation des mots français. Mettre quelqu'un au Nyouf. C'est quoi Nyouf? Mettre quelqu'un au Nyouf. Au cachot. Oui. Au Nyouf. Et les Bashis ont appelé ça Nyofu. Il y a un autre mot qu'ils ont introduit. Quand quelqu'un devenait prisonnier, on lui rasait la tête. Hein? Et en magie, raser. Tous les cheveux s'appellent Kumoma. D'où le Muzungu deviendra Nyamoma. Quand vous allez de ce côté-là, au parquet, n'est-ce pas, et que vous perdez le procès, directement, on vous met au Nyouf, mais avant de vous mettre au Nyouf, on vous rase les cheveux. Nyamoma. Bon. Le reste, je crois que ça pourrait venir du débat. Adisigno. Ça. Y a-t-il des questions à poser? Je ne peux pas boire de l'eau. Si vous voulez que je boive ça, vous m'amenez brosse à dents et dentifrice. Une question. Oui. Merci. Vous aviez dit que lors de la création de la ville de Bukavu, les Bashi, ce n'était pas leur volonté que la ville de Bukavu soit créée. Ou c'est moi qui ai mal compris, qui ai mal compris. Alors je voulais demander pourquoi est-ce que les Bashi ne voulaient pas que cette ville soit fondée. C'était tout ce projet qui venait envahir. D'abord, quand les premiers Blancs sont arrivés, il est considéré comme des autres bizarres. Non. Quand quelqu'un arrive, il est tout rouge, comme un enfant kwashiorkore. Ça vous étonne. Et il a des cheveux qui ressemblent à une crinière de lion. Les Rwandais appelaient les premiers Bazungu Ikisimba. Donc, des animaux sauvages. Et les mamies de Banyindu, je crois qu'il s'appelle Kabuka, les premiers Bazungu qu'il a vus, il les a considérés comme des sous-alimentés, il les a capturés, il a demandé à ses sujets de les suralimenter pour qu'ils prennent notre teint.
Vous voyez? C'est la même chose. Nous autres aussi, quand nous allons en Europe, on s'étonne. Hein? Même aujourd'hui, vous voyez, quand on va à la messe, que c'est un prêtre blanc qui célèbre, beaucoup d'enfants montent jusqu'à l'hôtel pour regarder de près. Beaucoup de jeunes gens. Hein, comment? Donc, ce que je vois là, à l'écran, c'est vrai. Vous voyez ça? Et quand il rentre, que vous lui demandez? Nani a dit son amis. Il ne croit pas dire, il croit monsieur l'abbé. Le padiri, c'est le prêtre blanc. Blanc. Hein? Et le monsieur l'abbé, c'est le prêtre noir comme nous. Donc vous vous demandez pourquoi la ville de Bukavu a été fondée contre la volonté des autochtones. D'abord, vous venez et vous faites perdre aux gens leur souveraineté. Vous leur demandez de changer de religion. Par exemple, le lieutenant Tondeur, on l'a tué, lui, parce que il avait vu un bélier qui se promenait, un bélier que les Bajis utilisaient pour offrir à leur dieu de sacrifice. Il a vu ce bélier-là qui était vénéré par les habitants et il a battu à coups de fusil. Vous voyez, un jeune homme comme ça d'environ 30 ans, il vient abattre votre bélier sacré. Où sont mes cailloux? Si je crois ça pour conjurer la pluie, et que quelqu'un vient me dire, ou comme Pagan, ou comme Shenzi, eh bien, il trouble mes convictions. Je vous informe que la mère du Mami Alexandre Rougema a été reléguée à Fizi pour une raison très simple. Les prêtres ont baptisé son fils, quelqu'un qui allait régner. Il ne suivait plus les badjins, mais tout le temps il était à la paroisse pour apprendre à faire ceci et cela. Et la reine mère a dit non, mon fils doit devenir moami. Il faut qu'il vienne et que nous puissions lui inculquer les idées requises pour qu'il puisse être moami. Vous savez ce que les colonisateurs ont fait? Ils l'ont relégué à Fizi Kalembelembe, 1926. Et Fizi signifie Fisi, hyène, hyène. Ils sont allés la jeter là-bas pour que ces charognards-là la dévorent. Heureusement que les Babembe l'ont vu, ils s'en sont occupés et puis ils l'ont renvoyée vers le Rwanda où elle est morte. C'est à cause de cela que son propre fils aussi va se révolter contre les occupants et il sera relégué en 1936 à Léopoldville pour ne rentrer qu'en 1959. C'est une façon de vous dire que le coin que nous vivons ici, quand il est devenu ville, c'était au détriment des habitants, notamment les habitants qui appartenaient au chef Teboura, fils de Nabushi, dont le territoire s'étendait jusqu'à Nyungwe. Vous comprenez? Quand on dit, on va organiser Berlin 2, il faut accepter. Parce que l'ancien Bushi s'étendait jusqu'à Nyungwe. Les habitants de Bugarama sont des anciens Bashi. Mais la colonisation nous a divisés en deux, comme il a divisé les Kakwa en deux, les Alour en deux, etc., etc. Je ne peux pas continuer cet exposé sans vous dire que la ville de Bukavu est une ville fondée comme Kinshasa. Quand après la conférence de Berlin, et même avant ça,
on explore. Chaque puissance européenne, quand elle arrivait quelque part, elle plantait son drapeau. Ainsi, quelqu'un qui s'appelle Brazza, il plante un drapeau sur la rive droite du fleuve. Stanley plante son drapeau belge sur la rive gauche. Kinshasa est un poste militaire qui est dressé contre Brazzaville, poste militaire français. Goma est un poste militaire belge dressé contre un poste militaire allemand qu'on appelle Kisenyi. Bukavu est un poste militaire au départ, installé ici par les Belges en réaction contre un poste militaire allemand qui s'appelle Changougou. Est-ce que vous connaissez un endroit qu'on appelle Mutuapime? Il y a là-bas une chute. Vous savez d'où, comment vous pouvez expliquer cette crevasse-là? C'est en 1914, les Allemands qui étaient à Changougou, ils ont envoyé un obus du côté-là, de Nyamira, et c'est cet obus-là qui a creusé le grand trou de Mutuapime. Adesinjo. C'est aujourd'hui comme la main. Y a-t-il une question? On va prendre un petit break, Papa Tira, pour joindre l'utile à l'agréable. Achille? Bonsoir. Ungwe arafane bijyaki koisha ibyo biki on a beau se moquer du corbeau, il n'a pas cessé de se sentir beau dans sa peau. Les insultes ne sont pas parvenues à blanchir son costume. À tort ou Ungwe arafane bijyaki koisha ibyo biki on a beau se moquer du corbeau, il n'a pas cessé de se sentir beau dans sa peau. Les insultes ne sont pas parvenues à blanchir son costume. À tort ou à raison, il en reçoit, c'est la coutume. D'ailleurs, la seule fois qu'on a chanté sa louange, n'est-ce pas pour un fromage? Voilà pourquoi le corbeau est resté sceptique aux hommages. Qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne, qu'il copie son règne et qu'il pisse quand de la parole je m'imprègne. Ils n'ont pas de couilles à te tenir tête pour explorer ta caboche, pensant que parler derrière ton dos soignera tes bosses. Ils insèrent le doigt entre le marteau et l'enclume sous prétexte de les unir. Quand ils disent vouloir t'épanouir, en réalité, ils ne font que profiter, puis nuire. Et la seule fois qu'ils disent te pardonner, c'est par incapacité de te punir. Kweli duniani pana mambo. Kama ya kuui, yata kuponya, usibishe, ishi tu, utaona. Kila siku wazee usema, asiye na shangazi anajishangaza. Kuliko kuilaani giza, geuka mwangaza, tenda mambo na wache kazi ya kuyatangaza. Maana wajinga wanaposema, wenye hekima unyenyekea, tumika vema uishi pema, ukiepuka kuwategemea. Tafuta zaidi ila tumia kadiri, epuka aya bali usipoteze dhamiri. Duniani pana watu, wanakukalia miguuni, alafu wanakuamuru, inuka! Wanakupaka mavi, kisha wanashangaa kusikia unanuka. Duniani pana watu wanakubania leo ili kesho wakulaumu, na wengine wanakutakia ufaulu ila usidumu. Ila kumbuka, watu wenye hekima walisema mwanaume ni kama kichwa ya kima. Unaweza kuiweka motoni, ile itakuchekea. Watu wengi wana vidonda moyoni, ile ukiwatazama utazani wanasherekea. Hadithi njoo. Hadithi njoo. Merci, c'était Achille Argus. Une entrée, une sortie. J'espère qu'il y a un élève ici qui peut entrer dans cette classe room. Oui. Et moi, qu'est-ce qu'il m'offre? Zézé, est-il dans... Oui, papa. Viens, je vais nous ouvrir.
vient. Vous avez ces conscience quand on offre quelque chose, hein? Oui. Zézé. Viens. Je ne peux pas voir sans cérémonie. Question. Connaissez-vous une autre ville congolaise qui est un ancien poste militaire? Comme Bukavu face à Changugu, Goma face à Gisenyi, Aru face à Arua. Connaissez-vous d'autres villes dont l'origine s'explique comme cela, comme poste militaire? Kalemi face à Kigoma. Kalemi face à Kigoma. Eh oui. D'ailleurs, Kisangani actuellement s'appelle Entre deux rivières. Oh. Dania Kisanga. Et puis, Kisangani se trouve à la courbe du fleuve. Oui. Connaissez-vous un livre qui a ce titre-là? À la courbe du fleuve. C'est stratégique. Louloubourg. Oui. C'est stratégique aussi? Oui. Merci. Juste rappeler que c'est votre fils, Marcelin Tira, qui vous a offert cette bouteille. Il m'offre une bouteille alors que je suis un chamboule. Mon fils Marcelin Tira m'a offert la bouteille. God bless him. Thank you. Non, ce n'est pas tout pour aujourd'hui. Le 30 juin 1960, Bukavu était habité par 40 000 habitants. Les routes que vous voyez aujourd'hui n'ont pas été élargies. Elles ont été construites pour une population de 40 000 habitants. Et vous comprenez alors pourquoi, quoi qu'on fasse, ces routes-là ne sont plus adaptées à notre démographie. Comment s'appelait la place Moulamba avant l'indépendance? La place Moulamba. La place Moulamba, où se trouve-t-elle d'ailleurs? En face du collège Al-Fajir. En face du collège Al-Fajir, oui. C'est l'ancienne place Costermansville. Alors, si vous voulez savoir quelles étaient les anciennes dénominations de nos avenues et de nos rues, lisez ce mémoire-là. Comment s'appelait cette route que nous appelons aujourd'hui l'avenue Lumumba, Patrice Lumumba?
c'est l'histoire de notre ville. Vous ne savez pas, vous n'étiez pas né. Ça s'appelait Avenue Prince Régent. Qui a décidé de changer ce qu'on appelle la toponymie, le nom des lieux, et l'odonymie, le nom des sentiers, de routes et des avenues. Kachamoura. Et puis Mobutu a rajouté. Maintenant, le Bukavu d'aujourd'hui, avec le Bukavu de 1900, est-ce que c'est la même chose? Non. Non. Il y a un quartier qu'on appelle Panzi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un taureau. C'était une plantation appartenant à quelqu'un, un blanc éleveur, qui avait un gros taureau qu'on appelle la magie Panzi. Mais maintenant, c'est Panzi, c'est criquet. D'où vient le mot founou? On ne sait pas. Nous sommes fous. Founou. Fou. C'était fou. Puisse construire à founou. Oui. Et puis, les Noirs voulaient que l'homme blanc puisse construire des maisons rectangulaires à Founou. Et comme à Founou, la terre glissait là-bas, il y avait de l'érosion, les Blancs avaient catégoriquement refusé, jusqu'à ce qu'ils appellent des gens des fous. Alors, les Autochtones avaient répondu, nous, directement, on avait compris qu'on pouvait surnommer ce quartier-là Founou. Bon, merci, il a des informations vagues. Lorsque les Blancs, mais c'est ça l'information. Lorsque le roi Baudouin est arrivé ici en 1955, il a regardé de ce côté-là. Il n'y avait que des huttes. Et de ce côté-ci, il y avait des maisons rectangulaires, Ibanda. Alors il a demandé, c'est quoi là du côté de Kadutu? On lui a dit, ce sont des porcheries. Nyumba Zanguru et Yetu. Il a dit, vous avez trop de cochons, je vais voir. Et il a demandé au chauffeur qui est maintenant mort, s'appelait Endemon, de l'amener là-bas. Et il est entré dans une de ces maisons qu'on appelait porcherie. Et il y a trouvé son effigie. Parce que partout, il y avait son effigie. Bwana Kitoko. Il a trouvé son effigie là. Et la mère de Bigoshi, était en train de pétrir du foufou. Alors, il a trouvé que ce sujet, les Belges l'avaient trompé. Les Noirs n'avaient pas de belles maisons. Il est rentré et il a exigé que l'on construise des maisons pour les Noirs, du côté de Kadutu. Et alors, il y avait des maisons construites par l'Office de Cité Africaine, OCEA. C'est comme ça qu'on appelait OCEA. Puis ça deviendra plus tard ONL. Ça, c'était pour tout le monde. Mais ce qu'on appelait les évolués, on a construit pour eux des maisons fonds d'avance que vous avez dans le quartier asiatique. Voilà. Et que vous avez du côté de Nyamugo aussi. Des très belles maisons. Alors, les clercs ont demandé à l'ingénieur belge de leur construire des maisons sur une colline où il y avait beaucoup de colocases. Et les colocases s'appellent Bifounou. Et les colocases poussaient là-bas parce que le terrain était très humide. Et l'ingénieur, l'architecte blanc européen, il a dit, si nous construisons des maisons ici, elles vont s'effondrer dans peu de temps. Mais c'est l'information qu'on doit se donner. Le président des évolués, il s'appelle Kourara, originaire de Nyangezi, il a insisté
construisez-nous des maisons ici. Il a insisté. C'est un évolué. Donc, un homme, si vous voulez, prétentieux. Et comme il insistait, l'architecte lui a dit, « Mais vous êtes fou !» Et Kourara a réagi, « Vous nous traitez de fous, nous !» Pas du tout. Ça, c'est aussi l'origine de Founou. Vous nous traitez de fous, nous. Nous, les civilisés. Bon. J'espère que vous voyez que l'architecte a raison, avait raison. Les belles maisons du quartier Founou se sont effondrées d'elles-mêmes. Parce que c'est un terrain où il y a ce qu'on appelle nappe phréatique. Parfois, quelqu'un pouvait rentrer chez lui, il trouve la maison fermée. C'est ce qui se passera à Biayenne. Biayenne. Ça se terminera comme ça aussi, parce que c'est dans un marécage qu'on a construit. C'est ce qui se passera en amont du port Ioussi. Là aussi, il y avait un marécage. Ça va? Oui, ça va. Allez, signeur. Oui, ça va. Bon. Non, mais là, ok. Somebody pour décapsuler. Décapsuler. Est-ce qu'on peut avoir quelques bouteilles de classe pour ne pas boire comme un sauvage? Nous allons voir avec quelques danseurs de Wabingba. Donnez-nous quelques quatre bouteilles. Quelques quatre bouteilles. On ne boit pas n'importe comment. Merci. Quatre bouteilles. Non, c'est quatre bouteilles suffisent. Bon. Qu'est-ce qui entonne? Wanawake sio baya, tuwanyonge ila wasitunyonge.
Katoto kakisa koma mitani Kana pita pita ah, Kakiona wanume vyumba vya mwili Kana vitikisa eh, Kwenye maklabu Yeye yeah, ndo munyonga kinga Kwa mwisho sija ukavimba tumbu Mimba Ale mshike Mshike jiulo mshike Ale mshike Mshike jiulo mshike Mshike jiulo mshike Mshike jiulo Quel le bon Dieu, ô Rémissie, donnez-nous la force, Dieu Tout-Puissant. Yokugoromera, délingurgitez cette bière. Or, Baba Didi, Okumadeni, roi Nuire, et pardonne-nous pour les dettes que nous avons contractées. Ne buvez pas comme des païens, des non-initiés. Nous sommes de vrais disciples de Bacchus. Merci, Papa Thierry, on applaudit très fort, mesdames et messieurs. Si vous aviez aimé, merci d'applaudir encore. Si vous êtes là ce soir et que vous allez revenir le vendredi prochain, merci d'applaudir. Si vous êtes là ce soir et que vous allez ramener vos petits amis et petites amies, merci d'applaudir. Oui, vous êtes quatre à applaudir, c'est pas grave. Si vous êtes là ce soir et que vous pensez que cette activité devrait continuer, merci d'applaudir. Aujourd'hui, tel que vous aviez vu sur nos affiches, c'est la première partie de l'histoire de Bukavu. Sûrement que vous avez beaucoup de questions. Parce que Nami et Papa Tirani qu'on a maulizo. Par rapport à Majina za Bukavu. Par rapport à certains noms de la ville de Bukavu. Uliongea juu ya Funu, uliongea juu ya Ibanda, juu ya Nyofu, juu ya Nyamoma. Mais kuko zingine ma Mungu, ma Kasha. Mungu, quand on est gorgé de vache. On déposait les abats, disons, ici sur la colline. Et les corbeaux, les biungu, venaient sur la colline. Hein? D'où la colline s'appelle Mung. Merci. On va revenir, revenir sur tous ces détails. Je me rappelle la dernière fois, on avait fait un petit exercice des attentes. Après l'histoire de la ville de Bukavu, on a eu à peine à Tongele et Lini. Gama, papa tire ta patia. Papa patie, tisa micro, à patie gama, pas les nyuma. Merci beaucoup pour la parole. En termes d'attente, personnellement, je voudrais qu'on puisse continuer sur cette même ligne par rapport à la ville de Bukavu. Mais seulement qu'on puisse un peu insister sur les raisons qui ont poussé, disons, les Congolais à maintenir les mêmes noms. Voilà, juste ça. Quelles sont les raisons qui ont poussé nous maintenant, Congolais, détenteurs de pouvoirs administratifs, susceptibles de nous d'échanger ces noms, parce qu'il y a des ces noms, j'ai bien suivi l'histoire, qui n'ont pas un caractère bienveillant. J'aimerais savoir quelles sont les raisons qui ont poussé
les Congolais à maintenir ces noms de l'histoire. Merci beaucoup. Comme les Founou et Kousso. Les Kazaro. Les Kazaro. Voilà. Si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a une attente par rapport aux séances prochaines. Donc pour la séance prochaine, c'est la toponymie, les anthroponymies, tout ça. Comment toponymie dans toponymie, Johnny? Toponymie, nom des lieux. Odonymie, nom des avenues, de routes, tout ce que vous voulez. Par exemple, vous avez une affaire qui s'appelle Dubuis. Dubuis. Il y a, je crois, ici, un hôtel qui s'appelle Dubuis. Le Dubuis, c'est une épreuve, initiation. Quand quelqu'un se dit garçon, bec, bec, garçon, Bukavu, Kadutu. Si vous ne vivez pas à Kadutu, vous ne pouvez pas vous dire, vous prévaloir d'être garçon, bec. Pour une voici des raisons, Ibanda, c'est la commune habitée par des évolués, des enfants gâtés, pene-pene, Azali pene-pene et Mundele. Bagira, c'est la commune dortoir. On ne sait pas si c'est la campagne ou si c'est la ville. Merci, Papa Tchira. On va revenir sur tout ça, je pense, le vendredi prochain. Je termine. Alors, pour être garçon bec, il fallait passer dans un souterrain à Kéduc, à partir du terrain de Founou jusqu'au lac. Dans un souterrain, comme dans un film. Ça, c'est ce qu'on appelle Dubuis 1. Les enfants qui n'étaient pas courageux, ils entraient à côté de chez... Comment on appelle ça encore? Qui ça? L'ancien président là, de Bande Rouge. Bon, il y avait deux Dubuis. Deux Dubuis. Mais alors, les gens qui initiaient les petits-enfants pendant les grandes vacances à passer dans le Dubuis, c'était Bougougou, Big Business, c'était Prosper, Mouchobekwa, Docteur Mabuse, c'était comme Bagouma, qui est déjà mort. Alors, Dubuis simple pour les enfants qui n'avaient pas suffisamment de vaillance et de bravoure, c'était à partir de chez Tuonane, vous voyez ça, ici, jusqu'à la sortie de la rivière Kawa. Merci, Papa Tchira. God bless you. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous vous disons grand merci.